Allez, nous continuons pour la partie E ici là. Area of triangle AEC divisé par area of triangle OEC. Allez, please have a look at this. Suivez ce qu'on voit ici. Area of triangle AEC divisé par area of triangle OEC. C'est bien ça la question, n'est-ce pas? Is it this? Yes. Ah, c'est. Au fait, moi, mon purpose of giving you this question. My main purpose of giving you this question was not for any of these parts. It was only for the part E. Je pense que c'est la partie E qui me donne la deuxième question. À partir de ça, on passe à aucun purpose pour la deuxième question. Parce que les restes, je expect, ils ne sont pas faits. Parce que tout a été fait pendant les autres semaines. Allez, area of triangle AEC divise par area of triangle OEC. Allez, ça c'est OEC. Qu'est-ce qu'il y en a? Je vous ai connu des triangles un peu. Ça c'est OEC et ça c'est AEC. Allez, si mon regard est ce niveau aussi là. Alors, ça c'est la question. Il paraît. Ça c'est une question qui lui paraît un peu imminente. Mais par contre, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Allez, ça c'est mon point ici, quelque part ici. Ça c'est mon point C. Ça c'est mon point A. Alors, O. Ça c'est E. Ça c'est A. Ça c'est C. Good. Allez, il met bien un petit peu plus peur là, je pense, n'est-ce pas? Bon, comment il met les vous voyez, il met les le truc là. Ça c'est mon point E, n'est-ce pas, Riona? Point E, voilà à peu près? Oui. Allez, point E, voilà à peu près. Allez, on va juste mettre this. Pour le point C. Ça c'est le point C, n'est-ce pas? C'est bon là, hein? Alors, c'est le rôle area of triangle AEC comparable au triangle OEC. Premièrement, qu'il ne peut pas faire, tout le monde divise. C'est tout droit, par exemple, c'est un point. Tout le monde divise, c'est tout droit. Allez, les bébés reconnaissent ça sur area. Ah, c'est qui est bien. Le problème, c'est qu'il peut ici, pas pour casser le trigone, mais pas pour vraiment, ne peut pas half dans ce base times height. Le bien vraiment half et bisanti aussi là. Mais vous êtes capable d'essayer d'appliquer ça là. Donc, il y a bien techniquement, pour démontrer honnêtement les autres lits. Vous êtes tout d'accord avec moi que OEA, il y a une seule pièce. Qui ne peut pas faire pour parler de triangle à different heights? Suivez-les bien. Nous qui triangle à different heights. Allez, vous êtes tout d'accord, OE c'était combien? Mais dans les cas, vous connaissez pas. Anyone can tell me OE? Ah. Vous êtes tout d'accord que OA c'était quoi? OA c'était. Allez. Tout la courbe qui prend au bout d'une A, c'était A. Oui, c'était A en entier. Maintenant, OE, c'est pas 5 neuvième A. Gaëté prend au bout d'une E, c'est 5 neuvième de A. Oui, allez, très bien. Donc, on a vraiment grave l'espace pas ici. Space to work this out. Okay, just give me 1 minute. Anyone? Allez, bon, ici là, de tout la peau que en entier, c'est combien en entier c'est vecteur A. Maintenant, moi, vous connaissez que OE c'est combien? Allez, tranquille, tranquille. Vous connaissez que OE, les types EVO, 5 neuvième vecteur A. Suivez ça pour vous dire bien là. It's just about playing with the numbers. OE, les vaut 5 neuvième A. Vous êtes dans 6ème, vous allez prendre one hole. One hole, qui vous pouvez dire là 9 ou 9. One hole, qui vous pouvez dire 9 ou 9 là 9 ou 9 pots. Allez, les commandes là. Ça, c'est A pots. Oui. Ça, c'est A pots. Vous êtes une fraction, allez. Ça, c'est 9 ou 9 A. Vous savez comprendre le logique là, colonne, c'est ok. Prends la bobine là, c'est 9 ou 9 A. 9 ou 9, il y a un nom. Il fait un A même lui. Ça veut dire, prends O bobine A, c'est 9 ou 9 A. Maintenant, prends O bobine E, c'est combien? Prends O bobine E, c'est 5 neuvièmes là. Ça veut dire qu'il ne va pas dire. Il ne va pas dire que ça c'est combien? Que ça c'est 5 pots. Maintenant, ça c'était pas 9 ou 9? C'est 9 ou 9, combien pots restés? Reste
jackpots. Est-ce qu'ils se tournent à part avec moi là? Oui. Is it good for this one? Alors si deux fois from O est égal à 5.9A, ça veut dire qu'en d'autres mots, ça c'est O, ensuite ça c'est E et ça c'est A. Alors ça veut dire que point O pour venir jusqu'à E c'est combien pots? Point O pour venir jusqu'à E c'est un total de 5 pots et E pour venir A c'est un total de 4 pots. Maintenant je me demande qui fait faire ça là? Have a look at it. Qui ne peut pas faire pas ici là. On va essayer de couper ça triangle. On va essayer de couper ça triangle, on va couper ici. Allez, 5 potes, 4 potes. On va faire Aria là même. Vous allez faire Aria normalement, c'est ça le problème. Soit nous avons fait B5C, soit nous avons fait Base Times Height, des champs dessus. Soit nous avons fait Base Times Height. Alors, ce qui me paraît faire libérer Aria de ça, le triangle, on va sauver les choses là. Ce qui me paraît faire, on va le lien height. Just give it a perpendicular height. C'est tout d'abord. Qui me garde un perpendicular height par ici là. Oui, de tout d'accord, on ne peut pas mettre un height par ici. Alors, ce qui me parle, je vais m'appeler ça comme un height edge. Allez, je vais m'appeler ça comme un height edge. Good là. Hein? Allez, rapidement maintenant. So, what will be area of triangle AEC? Area of triangle AEC divisé par area of triangle OEC. Allez, il faut que je joue AEC. Je vais apprendre avec moi ça, non? Si je vous donne un triangle qui compte ça, vous avez. Allez, par exemple, si vous avez aussi montré ça, si je vous donne un troisième triangle, vous avez aussi donné le troisième triangle, si je vous donne ce troisième triangle là, comment est-ce que vous pouvez faire ce AEC? Je te rappelle, qui est-ce que vous avez fait extendi, et vous avez half times base times, AEC qui peut être là. AEC va pour half times base times height. Je te rappelle, le système de trigonométrie, il va venir half times base times height. Parallèlement, on a tout ça triangle là. On a tout triangle AEC. Allez, on a tout triangle AEC, vous êtes. AEC. Ça, c'est mon triangle AEC. Voilà. Ça, c'est mon triangle AEC. Good. Mais voilà, la base, c'est combien? La base, c'est AE. Je vais comprendre la vérité. Ça, c'est mon triangle. Un triangle travers par moi là-bas. Là. Ça veut moi qui lit par l'autre côté. Ça n'a pas le côté là, là-bas, il pas le côté droit. Ici, il n'y a pas le côté gauche qui lit par le travers. Allez. Vous avez compris là, hein? Oui, allez, là-bas c'est quoi? Là-bas c'est AE. Par contre, height. Ne pas qu'à prendre height incliné, mais vous êtes prendre tout le temps height perpendiculaire. Parce que vous avez fixé ça, non? Vous ne pouvez pas prendre height perpendiculaire là. Vous avez compris la logique là? Oui. Alors, ce qui est pour venir là, area of triangle AEC, mais il peut venir half times. What is the base? The base c'est AE. Et ensuite, multiply by. Multiply by the height edge. Vous avez compris là? Okay. C'est sûr, c'est ok. Là, c'est good for all of you, Cédric, c'est ok. Très bien. Half times base times height. Vous avez plein d'un super concentré aussi. C'est pas compliqué. Et un deux triangles, vous half times base times height. Très bien. C'est juste que height. Là, moi, je vous invite qui faire parce qu'il m'a besoin d'un gros bout de chemin. Maintenant, c'est un sujet qui m'a besoin d'un gros bout de chemin. And that is a solution to all of these problems. Allez, OEC. Allez, OEC maintenant, un liquide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Get triangle OEC. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire un liquide? Toujours. Half times base times height. Allez dans OEC, base qui est indiqué. Base pour H, mais height qui peut être. Non, base. Base là pour OE. De tout à coup là, alors base, les boutons OE. Par contre, height qui était. Height bouton H là même. Ça veut dire que nous dans ces deux triangles là, we have the common height H. Et c'est ça qui nous vient profiter de là. Vous avez bien saisi les pas aussi là. Oui, c'est l'eau la même qui nous vient. C'est l'eau la même qui nous vient profiter. That we have common height edge. Si ça qui tient à ce propre height, nous ne pouvons pas faire cette question là. Parce que c'est ni ma bonne height, ni ma bonne base là. Non là. Vous avez compris la logique là. Oui, alors si on met un height pas aussi, vous allez dire, on va faire half times base times height. Et on va faire half times base times height. Mais parce que height, il y a common height to both. It should be common height to both. Sinon, je ne vais pas passer ce concept là. Pourquoi it should be common height to both? Simplement parce que ça fait quoi? Half avec half, il faut couper. H avec H. It's the same edge ça, même height ça. De tout la peau là. Mais maintenant, AE vous êtes. AE c'était combien pots? AE c'était 4 pots.
De tout d'abord, à eux c'était 4 pods. Les papiers dont 4 c'était 4 pods. For height h. Par contre, OE c'est combien pods? Prends O bobine E. C'est 5 pods. Times h. Alors voilà. Là qui peut arriver. Half avec half pour couper. H avec H pour couper. Il me reste combien? Il me reste 4 sur 5. Et les libéraux de région là, n'est-ce pas? Alors cela vous donne 4 sur 5. So it's the only word that you can do for this question. Vous êtes comprendre là. Alors si vous avez besoin de commencer rapidement, les PDM de moi ça avec ça. Quand je trouve ça pour l'examen, premier examen, vous avez besoin de faire une façon pour faire égal. Soit half et bisanti, ou soit il y en a trois façons en fait. Soit vous pouvez faire half et bisanti, soit vous pouvez faire half dans base times height, ou soit vous pouvez faire similaire triangle, ce qui se voit après on apprend la forme 5. D'accord, c'est bon là. Il n'y en a que ça trois là. Pour ça, c'est souvent un similaire triangle. Ni me faire half et bisanti, mais on risque half dans base times height. Notre option est finie de l'idée là. On risque. Alors, si vous connaissez, vous avez half dans base times height, comment vous avez ça? Première chose, je rappelle que vous avez un qui me fait, moi, c'est quoi le triangle? Alors voilà, les diamants triangles OEC, je coupe une ligne en bleu ici, après je vais des triangles là. Et bien, je vais mettre un height pour ici. Bien bon. Alors, c'est comme vous faites, vous faites half times base times height, half times base times height. Mais maintenant, Baselem qui vous dit, vous faites un chiffre en base, vous connaissez que OE, il peut vous 5 9e A. Si vous prenez O bobine E, il peut vous 5 9e A. Maintenant, prends O bobine A, il est full, the whole. Et dans le 6e, je vais apprendre tout le temps, the whole veut dire, alors tout le temps, la totalité veut dire one whole. Le 6e, je vais apprendre ça. One whole, les gars, vous êtes 10 pour 10, les gars, vous êtes 9 pour 9, les gars, vous êtes 1000 pour 1000. Alors, ce qui me fait me prendre OA comme le fait qu'il m'appelle ça comme 5 9e A, me travaille mon one whole comme 9 pour 9 A. Ça veut dire prendre la bobine là, me donnera 9 pour 9 A. Maintenant, prends O bobine E, alors c'est 5 9e A. Ça veut dire prendre la bobine là, il peut vous 5 portions. Ça veut dire combien rester 4 portions là. Je gagne 5 portions, je gagne 4 portions. Comment je reste gagne ça? Là voilà, pour me faire ça triangle ici là, allez, pour me faire triangle en bleu, c'est half times base qui est AE, multiplié par perpendicular height h qui me met moins pelli. Voilà. Par contre, pour ça, gros triangle là, half times base qui est OE, fois perpendicular height qui m'appelle h pour moi-même là, voilà, c'est half fois OE fois h. Là voilà, le fait qu'il y ait même h, il peut couper, half avec half pour couper. Maintenant, AE c'était 4 pods, OE c'était 5 pods, cela vous donne 4 sur 5, cela vous donne 4 sur 5. Maintenant, pour ceux qui vous aiment, ça c'est 4 pods, ça c'est pas 4 cm, pas l'année au grand mètre, ça. Moi, je vais vous dire, je suis là, moi. Vous avez compris? Si vous êtes dans la classe là, alors, il y a 20 filles et il y a 40 garçons. Réjou là, comme il fait. 1 is to 2, bébé, il y a 7 avec un assisté garçon. Non. Ça veut dire, pour chaque fille, elle va se poser à deux garçons. Elle va se poser là, c'est ça même. Ici, ici, pareil. Et où il y a là, il est capable, 160. Mais si c'est énervé comme 160, ici, vous avez arrivé pour 5 pods, comme il fait. Il fait 200, vous devez comprendre. Et là, il va mettre ton 4, il va mettre ton 4 cm, il va mettre ton 5 cm, c'est une ratio ça. On va faire une division, c'est une ratio. D'accord, c'est bon là, hein? Oui. Et c'est cool pour des sports, vous devez bien comprendre ça, vous êtes. Pas de difficulté par rapport à ça. Allez, très bien. Et on va les autres prendre définitivement. Just for us not to win. Allez, suivons plutôt. Alors, ça c'est pour page 207. Pour nous, mettons l'exemple 28. C'est question 14, je ne prends que la boîte ici, je pense bien. Que la boîte, que B deuxième boîte ici, alors on me dit quand même modify question. Allez, so this is the question and this is the diagram over here. Les diamants comme ça fait AC niveau 3 fois OB. Allez, ça va vraiment commencer avec Corbin. Si ACB vaut 3 fois OD, si ACB vaut 3 fois OD, qui te capable de dire? Il y a un multiple là. On a deux vecteurs N multiples, il y a juste deux choses. Soit les parallèles, soit les. Soit un point, ça colline. Et est-ce qu'il y a comme un point? Non, ça veut dire qu'il était. Si au fond, les obligés parallèles. D'accord, au contraire, c'est que quand on a comme un point qui était en colline. Mais là, il y a comme un point, c'est parallèle. J'ai envie, c'est OK là. Allez, très bien. ACB vaut 3 fois OD. Allez, AC, l'IP vaut 3 fois. ACB vaut 3 fois OD. C'est bon là, hein? C'est OK pour vous tous ça. Allez, ça veut dire ça de la parallèle là. Regarde bien, le fait que ça de la parallèle, il ne change pas un truc ici là. Il ne va pas changer un truc ici, mais c'est ça même qui pourrait être nous là. Allez, OC, l'IP vaut. AC, l'IP vaut 3 fois OD. Good. Allez, AC, l'IP tombe 3 fois longueur OD. Maintenant, les diamants comme ça, que triangle OAC, il peut vaut 18 units square, alors triangle OCD. Ah, mais ça, c'est une très jolie question, ça.
Comment on va faire ça là, vous autres? Premièrement, ça qui me conseille, c'est à faire un sketch. Ça, c'est une question minante, c'est un même good student qui n'a pas réussi à faire ça. Alors, première chose qui me conseille, c'est à tout le temps dessiner un triangle qui est libéré aussi là. Alors, si je fais un triangle là, avec moi, voilà, il y a un triangle là. Ensuite, il y a une lutte, que ça n'a pas parallèle. Quand je dessine, dessine une façon que c'est passé, il est capable assez visiblement, clair, qui est capable assez visible, pour être capable de travailler la question là aussi. Allez, so we have this, ça, avec ça, mettons parallèle, ça c'est A, ça c'est C, ça c'est O, ça c'est mon triangle OAC. Par contre, ici, là, on a aussi mon triangle OC, maintenant, ici, par contre, on a mon triangle OCB. Voilà, ça c'est mon triangle OCB. Good. Allez, comment on peut faire ça, Stella? Paraît bien minante. Mais par contre, vous connaissez que ça n'a là, il vaut 3 fois. Ça n'a là qui était AC, il vaut 3 fois. AC, il vaut 3 fois OD. Vous n'avez que ça comme information là, que AC, il vaut 3 fois OD. Ok, c'est good, hein? C'est une fois, il vaut à moi area of this. Moi, mon conseil, c'est d'oublier area, moi. Pas casser ton area. Area est important là. C'est besoin de réchou là. Si vous avez une question comme ça pour l'examen, première chose, mon conseil, c'est à votre ratio of these two triangles. Ça veut dire, pareil comme tout à l'heure là, vous pouvez faire area of triangle OAC upon area of triangle OCD. Ça, c'est la première chose que je peux faire. Allez, regarde comment là, pas pareil comment tout à l'heure là. Comment je peux faire pour mettre un height? Allez, puis dans half et bisanti, je peux mettre un height là-dedans. Allez, pour ça, triangle là, parce qu'il height là, vraiment des autres qui viennent comme un height. Ils viennent comme un height. Allez, nous gosses, disons ça, triangle là. Allez, nous gosses, disons ça, triangle là. Allez, si tout le monde parle de temps comme un height avec vous. Allez, si tout le monde parle de temps comme un height. Puis la personne qui est des autres qui savent tomber, c'est là, les droite. Pour aller là, il est apparu d'avant là. Il va pas aller à la grande. Et c'est le pas ce qu'on va mettre, allez, il était dans sa triangle là. On va mettre un height ici. Mais par contre, ça height qui ici, il n'y a pas besoin avec ça là. Il n'y a pas pareil que moi d'aller là, il faut descendre comme un height. Alors, ce que je vous ai fait là, je vous ai capable d'essayer de visualiser plutôt. Essayez de visualiser. Ça, de là, en fait, c'est deux triangles similaires. Ça. Similar triangle, ça veut dire que le tout se fait tomber en termes. Similar triangle, ça veut dire qu'il peut tomber en termes en même proportion. Alors, laissez-moi juste vérifier quelque chose, oui, c'est OK là. Et ici, il peut tomber en parallèle avec OD. So, anytime you have such a question for the exams. Qui je peux le faire? Alors, ce qui est bien, moi j'ai une question comme ça, peut-être un triangle est dans ce style-là. Et surtout, qui, je n'ai que certaines informations qui libèrent en parallèle et tout, etc. Et je ne connais qu'un alien multiple de l'autre. Alors, directement, ça veut dire, qui nous va dire que ça, Odila, libèrent en combien de potes? Libèrent en moins de potes parce que ça n'a pas tombé 3 fois ce quantité. Je d'accord, ça n'a pas tombé 3 fois ce quantité. Oui, ça n'a pas tombé 3 fois ce quantité-là. Alors, ce qui est pour venir directement en termes de ratio, là, il est pour venir directement pour triangle OAC, les boutons 3 potes, et par contre pour triangle OCD, les boutons moins de potes. Directement les boutons comme ça même. Alors, donc, qu'est-ce que c'est les boutons comme ça maintenant? Let us have a look at it. Alors, ça, premièrement, c'est mon triangle. Allez, pour me garder vraiment faire cette image de là, pour me garder vraiment faire cette image de sa pote là, let us see if it's going too much. I don't really know if it's going too much, I see. Non. C'est le parallélogramme d'ailleurs. C'est OACD qui est le parallélogramme. Ok. Allez, nous allons terminer. Comment les boutons comme ça là? Alors, moi, je vais question là comme ça pour l'examen. You can just go for this. Il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce qu'ils se gardent vraiment d'avoir vu des boutons comme ça là? Error triangle OAC, c'est 3 potes. Et si boutons error OCD, boutons moins potes. Get bien. Bon, vous essayez d'expliquer ce que je dis, mais si je ne pas comprendre les points au contre, je vous ai déjà prendre des comme ça. Si je prends un petit OD là, je place ici. Ça veut dire que je prends tous autres places. D'accord, c'est bon là. Je prends tous autres places ici. En termes de A, il peut venir sa quantité là ou sa quantité là. Si je dessine ça dans un triangle là, hein, si je dessine ça dans un triangle là. Je dis comme ça. Allez, si je dessine ça dans un triangle là. Peut-être que je ne peux pas comprendre un petit peu. Ça c'est A. Ça c'est C. Ça c'est O, vous connaissez que ça c'est 3 potes. Alors, c'est là, laissez dessiner le même triangle. Allez, laissez dessiner le même triangle. Et là, parallèle, là.
Allez, mets pas le parallèle ensemble. Un peu Nicolas. So you would still want to have OC here. L'appel, voilà. So we want to call this as O, we want to call this as C. Et par contre, et for the polypod, non. Allez, let's put the... So this is going to be for the O pod, this is going to be for the D pod, and then this is going to be for the C pod. Allez, so tout d'abord que ça, avec ça les bétons, que ça avec ça les bétons parallèles, AC avec les bétons parallèles, oui. Maintenant, voilà ça aussi dans votre triangle. Voilà ça peut être CO là aussi dans votre triangle. Oui. Est-ce qu'ils ont tout là pour que ça les lazote pareil, pareil. Ça avec ça béton pareil, pareil. Oui. Ça veut dire que bien. Ça avec ça béton pareil, pareil. Aussi avec ça béton pareil. Allez, ne prends ça. Ne prends ça triangle là comment il était là. Ne prends ça triangle là comment il était. Ne viens. Ça veut dire que tu fais ça comme ça là. Et comme ça là. Ne prends les neckviers. D'accord, pareil, moi je prends cette squad, qu'on a besoin de la main, je prends les neck tournés. Tournés, fais les liens pareil, moi, on va dire. Allez, fermez les tournés. Et déjà, les abeilles restent parallèles, ça fait reste 3 potes. Et par contre, ça libérait combien de potes? Ça n'a pas besoin de libérer, moins de potes. Oui, c'est tout d'accord par rapport à ça là. Allez, très bien. Et maintenant là, pour cette pote là, Gaimona aussi là, mais là aussi là, ça n'est là pareil. Ça veut dire si ça avec sa béton parallèle, ça a béton 3 fois plus grand. D'accord là, ça a béton 3 fois plus grand. Par contre, aussi avec aussi libéré pareil là. Aussi avec aussi libéré pareil. Good for this one. Oui, maintenant par contre, ça vous là aussi, ça vous qui peut rester ici là, et vous êtes en même proportion que l'autre. Est-ce qu'ils ont d'accord avec moi par rapport à ça? Par exemple, le mot les boutons, même quand c'était pas que l'autre était en termes de number of pods, alors je vais directement. Ça veut dire si ça de là les bétons parallèles, et ensuite ça de là les bétons pareil, mais vous autres, ça veut dire que ça a aussi les bétons, ça a aussi les boutons trois fois, ça a aussi les boutons trois fois longueur de ça là. Vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire que quand vous faites A en termes de number of pods, ça n'a pas sur trois pods, ça n'a pas sur un pod. Alors si toutefois ce trou est trop compliqué, vous n'avez pas saisi ce concept-là, qui se capable de faire plus simple, comment vous avez une question qui est dans ce style-là, je sais bien le fait qu'il est béton, je viens car je viens de là. Alors, vous n'avez qu'un observé concept qui est parallèle. La cause c'est qu'on a l'exemple concept qui est, parallèle, voilà, ça parallèle, tous les triangles dans un seul figure, quand tous les triangles béton dans un seul figure, pas ici, so best thing you can do over here, meilleure chose qui vraiment vous êtes capable de faire aussi là, c'est que vous allez travailler directement en termes parallèles potes. Là, c'est réchaud. Ça c'est 3 potes, ça c'est 1 potes. Directement, votre triangle pour 3 potes et ça n'a pas une 1 potes. Good for this one. Oui. Mais voilà. Là, la même gain est oubliée là, par contre là. Mais là, me finit bien réchaud là. Tout le monde, j'ai une question comme ça, je vais faire réchaud là. Maintenant, c'est remplacé par le LM. What is A of O ici? C'est 18 squad units. Voilà. Ça, les bétons 18, ça. Par contre, ici, il y a. Maintenant, area of triangle OCD qui peut faire 3 pods. Alors, so it implies, what is it going to be as area of triangle OCD? Les boutons sectionnés 6 squared. Voilà. C'est logique, non, ça a arrivé 3 fois. C'est des limites 18 units square, mais ça va mettre dans le zéton 3 fois moins. Mais 18 divisé par 3, cela vous donne 6. D'accord, c'est bon, alors ça c'est une autre question. Alors, c'est un autre style analogique qui vraiment se capable de travailler. Ok, it's good là, hein? Oui, c'est sûr que c'est ok pour cette partie là. D'accord là? Allez, let me just give you this as well. Là, par contre, mon point.